Salut à tous, c'est Mim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis actuellement à la casse, c'est l'épisode 2 les gars. Et aujourd'hui on va récupérer des voitures, la salle, effectivement. Alors du coup, le concept est assez simple. Il faut récupérer ces magnifiques véhicules que vous voyez là. Voilà, et on doit les custom. Tout simplement, c'est des véhicules abandonnés, des véhicules dégommés, des véhicules pas réparables. Et nous, on va aller justement au custom pour leur donner une nouvelle vie. Et oui, forcément, il On va faut aller redonner réparer une ta nouvelle vie à nouvelle ces véhicules. caisse. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts, les gars? On est prêt. Si tu peux éviter à chaque fois de parler, de faire des... Ça Allez, c'est serait parti. bien. Merci beaucoup, Edwin. Eh bien, c'est parti. Je récupère mon véhicule, les gars. Mon 4x4. Allez. Les gars, quand même, quand même, quand même. Moi, j'appelle Jean-Claude, là, il va venir avec... Et bah, c'est bon, les gars, moi je l'ai récupéré personnellement. Je sais pas vous, mais Ouais, on on se donne te voit, on te rendez-vous à voit. l'escustum tranquillement. Alors, c'est un 4x4, Allez. ça m'a l'air d'être un gros truc quand même. Hein, donc, je sais pas ce que vous, j'ai vu que vous avez des trucs pas mal, vous quand même, les gars. Je vois que la salle, il a un Ouais. véhicule vraiment dégomme. Et Eden, il a un véhicule avec un. Ouais, c'est les genres de véhicules. L'attends pas, l'attends pas, l'attends pas, Ah, Drift. ça n'attend pas. Ouais, c'est des véhicules un peu de gangsters et tout, genre de gang. Des véhicules un peu lowrider, j'ai envie de dire, Ouais, mais nous on a c'est de la grave. route, hein. Franchement, les gars, on a de la route. Et le véhicule là, il a comme d'avoir des roues stylées. C'est un gros 4x4. Bon, par contre, la dépanneuse, les gars, elle a du mal. Hein. C'est un gros 4x4 plutôt sympathique. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de stylé avec ce 4x4? Je ne Ah, mais sais c'est pas. toi qui as pris le 4x4? Ouais, moi j'ai pris le 4x4 personnellement. Ok. Ok. Bah oui, forcément, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, Ouais, évidemment. bah, il y a le niveau customisation dessus, je vois pas trop comment tu peux faire, hein. Ah ouais, le 4x4, tu pensais à rien dessus? Bah, je sais pas, après. J'aurais peut-être dû prendre ton véhicule en fait. Bon, moi, je sais que ça va être un véhicule magnifique et d'ailleurs, les gens vont kiffer. Eh bien, bonjour Eden, comment vas-tu? Bah, écoute, je suis venu à pied, écoute, ça Tranquillement, va quoi, très bien. t'es venu avec ton véhicule, quoi. Bah, écoute-moi, Eden, je vais Ouais, rentrer. il est déjà dedans, moi. OLS Custom, let's go, vamos a la playa, a mi gusta el paila. Ok les gars, on est parti pour la customisation du véhicule. Donc c'est le Grand Gère les gars, c'est un gros gros véhicule. Bah les gars, j'espère que vous customisez vous de votre côté. En tout cas, moi, Ouais. je suis parti, blindage, on met à fond. Alors c'est un véhicule les gars, j'ai un véhicule rare les gars, parce que c'est un véhicule, vous savez, avec Imalitech. Ouais. Et on a le blindage, protection, résistance aux explosions supplémentaires. Pas mal, ça j'aime bien. Frein. Bon, on va mettre frein, les gars. Frein de course, forcément, vous doutez bien. Pare-choc. Oh. Moi, il est magnifique le véhicule. Pareil. Moi j'ai mis pare-buff, hein, direct. Bon, il est plus beau que là, ça c'est sûr, mais... Je veux voir, je veux voir. Attends, Ok, bah je vous laisse regarde custom, juste les gars, vous arriver. inquiétez pas. Moi je mets mon véhicule à fond. Alors, un échappement, on a petit pot d'échappement. Ok, latéraux, ovale, petit pot d'échappement, échappement biseauté, capot. Alors, au niveau des capots, qu'est-ce qu'on a? En carbone, j'aime pas du tout. On va mettre ventilé, ça c'est pas mal ventilé. Et les gars, il y a pas mal de trucs à faire sur mon véhicule. Hein. Regarde juste, regarde mon Alors, on a véhicule qui marche l'étiquette juste devant. Imalitech, ok, donc Ah j'ai ouais, dit. attends. On a unité de contrôle à T'as vu la taille? distance, on a brouilleur de. Ouais, brouilleur de missile. C'est pas mal. Waouh. Allez, on se prend brouilleur de missile, les gars. Eh, le véhicule, il va me ruiner, les gars. What the Quoi? fuck? C'est quoi le prix, là? Moi, ça coûte Par contre, cher? ouais. Je sais pas comment le custom, par contre. Alors, les motifs, qu'est-ce qu'on a? Oh. Ah ouais. Il y a des motifs pas mal les gars. Bah, je sais pas du tout comment ça se custom ça les gars, honnêtement. Voilà, On ça. verra après pour le motif, rétroviseur. Couleur 1. Mais t'as quoi comme véhicule? J'ai un 4x4 les gars avec la technologie Là, le Imalitech et tout. Green George, pas quoi là, le 4x4 du FBI. Ouais, franchement, la salle, c'est pas mal, hein. Je vois. Ok. Ah ouais, il y a des armes devant. Oh. Ah oui, mine de proximité, les gars. Alors, par contre, la couleur d'un 4x4, les gars, vous mettrez quoi, vous, comme couleur?
Un 4-4 ouais. Moi je mettrais la couleur 4. Ouais, pareil, couleur 4. Comme ça fait 4-4. Moi de base, 4. Je fais 4-4-4. 4-4-4-4 aussi. Honnêtement, les gars, la couleur d'un 4-4. Waouh! Waouh! Là, ça, je sais pas du tout. C'est pas du tout. Même ça, c'est pas. C'est pas ouf en vrai. J'aime bien lui en fait. Hein. Je vais tester un coup de bigot, les gars, je vous le dis. Ou alors, si je fais ça. Regardez, oh là je fais là ça, et je fais ça. Oh, mais lui, tu vas avoir de la concurrence, hein, je te le dis. Mmh, ouais, je pense. Tu penses? Ah ouais. Oui. Ah là, t'es clairement pas près de nos véhicules. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Faut voir avec des gens, quoi, en vrai. Faut voir avec des gens ce que ça donne. Ça, par contre, de poids, j'en mets pas. Phare de toit, ouais, on met. Marche-pied peint. Du coup, on se rejoint au custom. On va au custom, quoi. Allez. On est au custom. Roue. Voilà, c'est ça. Ça, ça va être important. On va mettre déjà ça. On va mettre la couleur en noir. Et par contre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme roue là-dessus? Ah mais merde, ok, je comprenais pas la scène d'un truc. Quoi? Je me dis, à chaque fois que je roule, il y a des PNJ, ils bougent plus. Mais je sais pourquoi. J'ai oublié. Pourquoi? Non, parce que du coup, il meurt en fait quand tu me vois, c'est la beauté. Genre, il meurt comme ça. Ah ouais, mais il est beau ce mec. Je pense que comme ça, j'aime. En vrai, j'aime bien. Couleur des jantes, c'est bon. Pneu, allez, hop. J'aime bien. Non, franchement, ça va, les gars. Mon véhicule, ça va. One eternity later. Je sais pas si vous allez kiffer dans les commentaires. Bah écoutez, je crois que j'ai fini. Peut-être juste mettre les kits néons. Néon en jaune. Ça va. Ça, franchement, vu comment il était avant, je me dis quand même que. Ouais, en fait, non, ça va, il est beau. Moi, je kiffe, hein. En fait, faut voir dans la nuit, quoi. Genre vraiment dans la journée comme ça. C'est... Ah ouais, non, il est beau. Hein. Moi, je le trouve beau. Sachant que ouais, vous avez il est vu comme il était non. Au début, les gars. Il était vraiment catastrophique au début. Est-ce que on se cache ou pas pour. Non, non, je vais arriver. Par contre, vous voyez, j'ai pas mal de petits trucs. J'ai des mitrailleuses à l'avant. Alors, par contre, je sais pas comment. Viens la salle d'ambiance, mais là. Ah, mais moi, ma présentation, elle est ici. J'ai des mitrailleuses. Ah, pardon, excusez-nous, j'avais oublié. Est-ce que c'est puissant, les mitrailleuses ? C'est ça la question. Ouais, et lui, attends, on va faire une présentation quand même. Moi, je tue donc des tu gens. Tu te mets en place. Alors, sachant que mon véhicule, on peut tuer des gens avec, quoi. Donc, c'est ça qui est stylé. Tu te mets en place et on va faire une introduction. Alors, attends. Je teste la puissance de mon véhicule, Eden, quand même. Tu doutes bien. Ouais, il est pas. C'est toi qui tire là. Ouais, je suis en train de tirer avec ma mitrailleuse. Ouais, c'est pas. Ça va, j'ai des avantages par rapport à vous, je pense. Après, je sais pas où vous avez quoi comme véhicule. Sachant que vous pouvez pas me. Eden, prends voir ton lance-missile. On le fera après. Alors. On le fera après. Bah, vous là, pouvez venir ici, les gars. Attends, on va faire une introduction, t'as dit. Dans les commentaires, vous pouvez voter entre la salle Eden et moi. Ouais, vas-y. Vas-y, qui commence. Non, toi, vas-y, moi, je commence pas. Non, vas-y, commence. Vas-y, Anuin, commence. Bah moi je suis déjà prêt les gars, je vous attends. Eden, vas-y. Bah moi aussi je suis prêt. Vas-y, bon, alors vas-y, j'arrive. Ok. Introduction. Ah ouais. Ah ouais. Introduction de ouf. Voilà. Ah ouais. Sympa Eden, hein. Voilà, c'est bon, j'ai fait la introduction. Ça, on a vu ton véhicule du coup. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a comme mais t'inquiète, hein. Ah, on commence par moi. Bah ça y est, ça lui manque plus que toi. Ah non mais la présentation des véhicules c'est quand? Ah bah vas-y, allez, la salle. Non bah non. Je veux pas passer en premier. Ah ok, bah bon allez. Vas-y, moi. Eden Show. Voilà. Alors,
Donc ça, c'est mon petit véhicule de drift. Voilà. Pas couleur, mal. Couleur, bien évidemment, de GTA 6. Wow. Et de Ken, dans Barbie et Ken. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a marqué derrière, regarde. Il y a marqué quoi derrière ? La plaque. Rip, Ken, rip. Voilà, parce que du coup, c'est une petite dédicace à Ken Block, qui était un drifter très impressionnant, qui est décédé il y a plus longtemps. Ok, premier véhicule voté pour Eden, si vous avez envie de choisir ce véhicule rose. Voilà, la voiture de Ken Block, les gars. Vraiment, vraiment beau, le véhicule d'Eden. Ensuite, on est sur le 4x4. Bon, j'ai mis un véhicule quand même compliqué. C'est quoi cette girafe, là ? Mais les gars, j'ai un véhicule compliqué, les gars. J'ai un gros 4x4. Un marsupilami. C'est un marsupilami 4x4, c'est ça la salle. T'as deviné. Oh, les roues, elles sont belles, par contre. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les roues. Après, voilà, j'avais pas vraiment de choix, en vrai. C'est compliqué de custom un 4x4 comme ça, sachant que c'est un 4x4 familial et tout. C'est compliqué. Donc, vous votez Unwin, c'est le jaune. Et enfin, la salle. À mon tour, ok, je fais juste la place. Hop. Allez. Alors, du coup, il faut que tu te places sur le côté, ouais, voilà. Bah, viens déjà, viens. Ouais. Attends, je monte dedans. Regarde, tu vois la plaque. En rouge, il fait mal aux yeux. Ah ouais, la salle de 1000, pas mal. Tu vois, c'est stylé, maintenant enlève-toi. Ouais. Voilà, c'est bon, t'inquiète. Pas trop loin, pas trop loin. Est-ce que tu vois mes feux ? Ouais, on les voit. Waouh, sympa, ouais, violet. Non, mais ils sont forts. Ouais. Ouais, ils sont assez. Ouais. Ah ouais, wow. Quand tu recules. Et regarde maintenant le mur. Ah non, on voit pas ce que tu vois. Ah bah voilà, c'est ce que je dis, ok, d'accord. Alors si tu fais une coupure, je peux te montrer. Ouais, vas-y, je fais une coupure. Bon, du coup, je vous montre la spécialité du véhicule de la salle. Donc là, vous avez les phares qui sont comme ça, et en fait, quand on recule. Waouh! Ouais, c'est magnifique! Waouh! Là, c'est beau, tu vois, regarde. Wow. Hop, là, hop, c'est beau. Wow, on voit de la salle. Genre, mais y a oui, deux tellement ombres à c'est. Toi. Trois ombres. C'est incroyable. Ah, Ouais. Ouais, franchement, c'est magnifique. Et quand je recule, ton ombre, tu vois, regardez, 100. En fait, tu illumines les véhicules en rose, quoi. Les bâtiments, les. Je vais y aller. On va. Et c'est pas mal. Et t'as aussi ça comme option, la salle. C'est vrai. Voilà, c'est 3. Enfin, c'est 3. C'est le véhicule de la salle. Vous pouvez voter la salle dans les commentaires. Eden, t'aimes bien? Wow! Et Ah regardez, oui! quand je me mets devant, regardez, il y a des particules. Je sais pas si vous voyez les particules là. Wow! Mais c'est un projecteur le truc. T'as mis des phares projecteurs. Sympa. Donc, je rappelle le barème. Le véhicule de Eden, le rose. Et véhicule Unwin, jaune. Et véhicule la salle, le rouge, juste ici.